Vous avez vécu 25 ans là-bas et je crois comprendre que vous êtes en contact avec votre famille qui vivait à Kiev et qui a fui. C'est bien ça ? Pas tout à fait, non. Elle a pas fui du tout. Alors, racontez-nous, alors, quelle est votre situation ? Je vous précise un petit peu aussi, j'y reviens depuis 4 jours, en fait, de l'Ukraine. Bon, personne n'y croyait, ça c'est clair, dans ces événements-là. Alors, pour narrer un petit peu, parce qu'on dit un petit peu beaucoup de choses, exode, ceci, cela, pour narrer un petit peu le problème qui nous concerne, c'est que le conflit dure depuis 2014, ça on le sait. Il s'agit quand même de la population ukrainienne qui est martyrisée au quotidien, 2 millions de personnes, voilà. Que les problèmes de chauffage, c'est l'hiver, sont difficiles, le salaire moyen, voilà, vous m'entendez ? Oui, très bien. Voilà. Pour se chauffer actuellement dans ces mois d'hiver, c'est plus de moitié que les ménages doivent consacrer à ça. Donc la vie est très très compliquée. Donc je vois pas qu'est-ce qu'on défend. Le président et le gouvernement fantoche là actuellement, que je trouve fantoche et pas du tout celui que Poutine soi-disant va mettre. Vous parlez là de. Moi, je suis emporté contre tout ce qu'on entend là actuellement, les pauvres Ukrainiens. Mais les pauvres Ukrainiens, ils y sont avec ces gouvernements successifs, avec cette misère, avec cette économie délabrée. Elle parle de Zelensky. Oui, mais vous parlez de Zelensky. Vous parlez de qui? Vous parlez de Zelensky. Oui. Zelensky. Donc vous ukrainienne, vous considérez que Zelensky, le chef d'État dûment élu d'Ukraine, est à la tête d'un gouvernement fantoche. Fantoche d'une chose, et puis la deuxième chose, c'est une personne pas du tout démocratique. Il y a quand même 4 chaînes oppositionnistes qui étaient fermées. Il y a des journalistes qui sont tués. On décrit ça pour la Russie, mais ça se passe aussi en Ukraine. Il y a quand même 4 journalistes qui sont tués depuis quelques années. Il y a tas de choses qui se passent qu'on ne sait pas et qu'on ne dit pas. Oui. Donc ce que vous dites, vous.